Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Blue Susano. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire une vidéo sur un jeu qui est pas très 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 connu, que moi j'ai connu qu'il y a même pas un mois. C'est Mirror's Edge. Alors Mirror's Edge, c'est un jeu déjà qui est comment dire, qui est vraiment spécial. C'est ça va pas, bah, tout le monde va pas aimer, mais comment dire, c'est un jeu. Donc je vais déjà faire un entraînement pour vous montrer ce que c'est. C'est un jeu, comment expliquer? On va dire de, je sais pas trop comment on appelle ça. Ou par exemple qu'on est de, qu'on monte, qu'on escalade n'importe quoi, qu'on saute de bâtiment à bâtiment. C'est un peu, comment dire, c'est un peu freestyle. C'est comment dire? Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais c'est un sport de rue en fait. C'est, on saute sur les murs. Ça, vous allez comprendre directement en regardant ça. Donc entraînement, voilà, etc. Donc Céleste me doit une course, alors finis. et c'est donc ce Ok. nouveau parcours. Tu veux lui Ah, mettre de la d'accord. vue, te gêne pas, ok? Ok. Donc L pour sauter. Ok. L2 pour se baisser. Select pour regarder les missions. Et donc bah, l'analogue logique pour avancer. Donc courir, c'est l'analogue enfoncé. Donc voilà, en fait c'est un peu ça le système du jeu, c'est courir d'un bâtiment à un autre bâtiment. Beaucoup échapper aux flics, parce que dedans on a beaucoup 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 de policiers. Après c'est toute une histoire. L'histoire en fait c'est que la fille, je sais plus du tout comment elle s'appelle, un Salut petit trou de Faith. mémoire. Voilà, Fate. Contente de te voir Fate, plus tard que elle, donc prévu. c'est pas elle, hein, c'est celle qu'on contrôle. Fate, comment dire, il y a sa sœur qui s'est fait, qui s'est embrouillée dans une histoire, enfin qui s'est mise dans une histoire, mais vraiment, une histoire vraiment merdique. En gros, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc dans l'histoire au tout début. Hein. Je parle vite fait de l'histoire du début, je raconte pas la fin, rien. L'histoire en fait, c'est que la sœur de Fate, elle a, comment expliquer? Je me suis complètement fail, voilà. La sœur de Fate, putain, voilà. La sœur de Fate, elle a, comment dire? Elle s'est fait, elle s'est fait mettre dans une histoire, vu que c'est une policière. Déjà, c'est une policière. Elle s'est fait, elle s'est embrouillée avec quelqu'un, en fait. Si j'ai bien compris ça, elle s'est embrouillée avec quelqu'un, donc qui était très proche d'elle. Et le gars qui s'était embrouillé avec elle, il s'était, en fait, les deux, ils s'étaient pardonnés après, si je me rappelle bien. Et ou alors je raconte de la merde. Ouais, je crois que je raconte de la merde. En gros, c'est un gars qui est super bien placé, que la sœur de Fates connaît très bien personnellement. Et le gars, en fait, il lui arrive une couille vu qu'il meurt. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a assassiné. Et comme par hasard, avant qu'il se fasse assassiner, c'est qui a contacté Fate? Bah, c'était le gars justement pour qu'il aille à son bureau. Elle a été à son, pas Fate, la sœur de Fate. Elle a été à son, au bureau du gars. Et à ce moment-là, il était mort. Et du coup, les flics sont arrivés. Et du coup, c'est elle qui est dans la merde à cause de ça. Donc, elle risque soit la prison, soit elle risque de mourir par justement le groupe qu'ils ont tué le gars. Et puis bah c'est un peu dur à expliquer parce que déjà je sais pas trop expliquer les histoires. J'arrive au bout d'un moment, mais là en attendant j'arrive pas trop. Et donc du coup en fait l'histoire c'est on doit secourir notre soeur. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est on doit secourir notre soeur. Mais Nitas quoi, je viens de le... J'ai bien fait ça. Putain. Oh là, allez, file. Casse-toi. Allez, c'est bon, on sait, c'est bon. Voilà, donc, courir. On saute, on va là et hop. Mais what? C'est exactement ce que je fais. Mais en mieux. Je fais mieux qu'elle encore. Putain, c'est pas possible. Bon, voilà, le système du jeu, c'est ça. C'est beaucoup, dans ce jeu-là, c'est beaucoup échapper aux policiers. Putain de merde. C'est beaucoup échappé aux policiers. C'est dès que les policiers vous courent après. Donc là, c'est une course-poursuite. Mais juste, j'adore. C'est vraiment magnifique ça. C'est, on doit courir, on doit sauter, on doit se cacher, on doit. Mais putain, je commence à avoir vraiment ras le cul de ce jeu là. Putain, ça me le faisait jamais. Je réussis tout le temps. Puis là, celle-là, j'y arrive pas. Alors, ça va m'énerver. Donc, si j'ai bien compris. Mais je le fais trop bien, c'est ça le pire. Je comprends plus rien là. Bon, je vais recommencer.
Donc voilà, c'est, après c'est ça, c'est le mode entraînement, c'est le premier niveau du jeu là, c'est le premier niveau du jeu. What? Méga fail. Mais non, mais je le fais trop bien ce truc là, faut qu'elle arrête de me casser les couilles là. Putain, oui oui, c'est une vidéo où je vais rager, je sens. Ce jeu là m'a fait écouter une manette, tellement qu'il m'a fait rager. Parce que c'est vraiment, c'est un des jeux les plus difficiles que j'ai joué de ma vie. Je crois que je vais énerver là. Je crois que je vais péter un câble. Allez, avance, on s'en fout. Là c'est la fois que je fais. Si j'arrive pas, moi je fais carrément le premier vrai niveau. Allez hop. Va niquer ta grand-mère. Hein? Ignorer? Oui, effectivement, oui, j'aime bien ignorer l'entraînement. Voilà. D'accord, donc je pouvais ignorer l'entraînement. Ah ah. Merci de le dire. Hein? Putain. Ah d'accord, ignorer l'entraînement veut dire carrément recommencer depuis le début. Ok. Donc on va faire le premier prologue. Hein. On va faire ça. Donc, prologue, donc c'est-à-dire qu'on va commencer le tout début de l'histoire. Je crois pas que le niveau est long. Le premier niveau, je crois pas qu'il est long. Après les autres niveaux sont vraiment vraiment longs et vraiment vraiment durs. Arrivé à l'épisode ouais je crois que c'était l'épisode 6, j'ai déjà commencé vraiment à grave en baver. Il y en a 10 les épisodes je crois, ou 10 ou 9, et c'est vraiment vraiment difficile. Bon voilà, déjà ça c'est, est-ce que je passe ou pas, non je crois pas, si ouais non ouais je vais passer. Voilà, donc on commence enfin le jeu. Donc là voilà, ça que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est que c'est assez libre. On peut aller vraiment où qu'on veut et tout dans la ville. Bon, enfin, pas là-bas non plus, hein. Mais on peut aller partout, on peut aller bah, de l'autre côté déjà. Voilà, donc là normalement je sais plus du tout où est-ce qu'il faut aller, voilà. Donc en fait, un truc que j'ai pas aimé dans ce jeu-là, c'est qu'on sait, on a du mal à se repérer, où est-ce qu'on doit aller et tout. Où est-ce qu'on doit aller, c'est simple. Quand on a compris, c'est simple. Par exemple, là, je crois que vous avez vu que là c'est devenu rouge. C'est tous les endroits où c'est rouge, c'est là-bas qu'il faut aller. Ou alors attendez, je crois que si. Voilà. Il faut appuyer sur rond aussi. Rond, ça vous dit où est-ce qu'il faut aller aussi. Et vous vous repérez grâce au truc rouge et tout. Donc là, ouais, voilà. Une barre rouge. C'est un peu con comme système, bon, j'avoue. Ça m'a pas trop. Ça m'a pas trop plu. Sérieusement, ça m'a pas trop plu, même. Pas plus du tout, quoi. Ce système là, mais bon, j'ai bien aimé le jeu en lui-même. Ça a pardonné ce petit raisonnement, enfin, pas ce petit raisonnement, ce que je disais. Bon. On va dire cette localisation de merde. On va dire, hein, par contre, c'est assez difficile parce qu'il faut tourner la manette et ça, c'est vraiment énervant. Donc, maintenant, faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas, d'accord. Donc, là, on va tout droit. Ah, bah, j'ai complètement raté mon trou. Donc, voilà le tremplin. Donc, comme j'ai dit, c'était rouge. Hop les putain, voilà. Ça, ce jeu là, mais combien de fois il faut refaire les cascades, ça c'est un truc de fou. C'est très 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 long. Je vais un coup aller là-bas, parce que je pense qu'il y a un truc à récupérer. Non. J'ai dû fumer un petit coup. Ok. Bon, on va aller là. Voilà. Donc, là, normalement, la première mission, là, je sais plus du tout ce que c'était. C'est s'amuser. Voilà, donc déjà, ça commence déjà les emmerdes. Voilà. Donc, il faut que je monte là. Ensuite, il faut que je saute là. Il faut que j'aille à la rambarde. Déjà, je vais regarder derrière moi. Non, il faut que j'aille là. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc, ce que j'aime bien aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on va... C'est aussi un peu beaucoup... Même beaucoup, beaucoup d'infiltration. Donc, en gros, c'est beaucoup rentrer dans... Dans les endroits comme... non, c'est pas ce que vous croyez. Donc voilà, je vais courir. Je suis un peu dans la merde, je me rappelais plus du tout. Mais monte, 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 monte. Voilà. Ah, ah, ah. Ça va piquer. Et là-dedans, par contre, les policiers sont vraiment abusés. Ah, mais ils sont trop difficiles, quoi. Il y en a, mais ils sont trop abusés, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors, voilà, voilà. Ensuite, faut que j'aille là. Ah ouais, j'ai réussi. Donc là, le petit endroit rouge. Hop, hop, hop. Là-bas, l'endroit rouge. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que les endroits rouges sont faciles à voir, par contre. Waouh,
super génial les endroits rouges finalement, hein. Où est-ce qu'il faut que j'aille? D'accord. Ah d'accord, il y a des flics. Donc voilà. Donc le système de combat aussi de ce jeu, j'aime bien. C'est assez original. Donc là par contre je vais mourir comme une grosse daube. Étant donné que je me rappelle plus des touches pour frapper et tout. Merde, c'est quelle touche, bordel de merde. Voilà, c'est R2. Eh merde, c'est quand j'apprends que c'est R2 que je me fais niquer violemment. Bon, voilà, c'est parti. Hop, hop, hop. Epic fail. Hop. Et voilà, on monte. Nickel, là, jusque là. Hop, on monte là aussi. Nickel aussi. Hop. Hop, hop. Donc voilà, les combats, les combos de combat, c'est ça que j'aime bien, c'est que déjà on peut récupérer les flingues. On peut faire tout ce qu'on veut en fait à peu près dedans, on peut récupérer toutes les armes du jeu. Crève, crève. Voilà. Sinon, niveau combat, ouais, c'est vrai que c'est assez amusant. Hein. On peut vraiment s'éclater à faire des coups de poing comme ça. Déjà, je trouve vraiment que c'est bien fait la vue. Bah la vue, on va dire la vue à Call of Duty quoi. Quand on regarde, c'est un peu une vue à la Call of Duty. Sauf qu'on voit que nos poings. Voilà. Nos poings ou alors nos jambes. Voilà, j'ai failli me retrouver dans la merde. Dépêche, Fates, j'ai les flics au cul. Bah c'est génial. Envoie-moi la valise. Donc voilà, en fait l'objectif c'était ça. Fallait que je récupère une valise. Et une valise qui dedans, je crois qu'il y avait de l'argent. Ou alors des informations, je sais plus. Mais voilà. En fait le début c'est récupérer une valise. Et découvrir vraiment ce que c'est le jeu. Par exemple, comment faire pour échapper aux flics et tout. C'est simple, faut... Enfin, c'est pas simple non plus, hein. Il y a des niveaux qui sont vraiment beaucoup difficiles. Pour ça, je crois que si je... Ok. Voilà, hop. J'avais même pas vu l'hélicoptère. C'est parti. Voilà, il y a un problème, là. Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Putain, mais ils font chier, là. Saute. Voilà, elle est malade. Voilà. Heureusement qu'il y avait ça, sinon j'étais mort. Je sais pas. Alors voilà, je sais pas, ils ont juste ouvert le feu. Je me demande ce qui se passe. Voilà. Donc si j'ai fini la première mission, je vais m'arrêter là. C'était simplement pour que vous découvriez ce jeu. Donc franchement, ça, vraiment, vraiment, vraiment un jeu à faire. Il est vraiment génial, il n'y a pas beaucoup de défauts. Là, c'est vraiment un vrai bon jeu. Il est très original. C'est pas un jeu très violent. C'est pas un jeu comme les Call of Duty. C'est pas un jeu comme les Naruto, les Dragon Ball. C'est pas comme GTA. C'est vraiment des jeux. Ça se rapproche limite plus à un jeu de sport qu'autre chose. C'est ça que j'aime bien dans le jeu. Enfin bref. Je vais vous laisser les gens. À une prochaine vidéo. Salut. Et bah portez-vous bien. Ciao.